Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Web SEO. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter un super outil IA qui s'appelle Autoblogging et qui te permet de créer des articles complètement optimisés SEO en un clic à partir de la SERP ou en rentrant tes propres mots-clés. Alors aujourd'hui, je vais te présenter les fonctionnalités principales et je vais te montrer des articles que j'ai réussi à créer avec cet outil. Au niveau des prix, Autoblogging ne possède pas d'essai gratuit, mais il y a un trial à 7 $ qui permet d'avoir 15 crédits, ou sinon, pour les crédits normaux avec les plans, alors en plan mensuel, ça commence à 49 $, tu as 60 crédits, ensuite à 99 $, tu as 150 crédits, 249 $, tu as 500 crédits, et si tu le prends en annuel, tu auras 35% de ristourne. Alors, en ce qui concerne les crédits, ça va dépendre du mode que tu vas utiliser. Tu as un mode qui coûte un crédit pour un article et tu as un autre mode qui coûte deux crédits pour un article. Donc, avec un plan régulier ici à 49 $, tu vas pouvoir créer entre 60 et 30 articles à peu près. Avant de passer aux avantages et inconvénients d'autoblogging, si tu avais la gentillesse de liker ma vidéo, ça serait super pour que d'autres personnes puissent la visionner aussi sur YouTube. Alors, pour les avantages et inconvénients d'autoblogging que tu pourras retrouver sur l'article dans la description de la vidéo ici. Alors, j'ai marqué que c'est très simple à utiliser. Un article coûte entre 50 centimes et 1,62 $. Ça fonctionne dans 31 langues, dont le français. Il y a le bulk mode qui te permet de générer jusqu'à 50 articles en une seule fois. Le godlike mode qui te permet d'avoir une qualité un peu supérieure. Tu peux insérer jusqu'à 100 mots-clés par article, tes propres mots-clés. Je te montrerai ça un peu plus tard. La publication en brouillon ou publiée sur WordPress. Publication sur Shopify, Webflow et GoCMS via Combot. Et la création d'images IA de qualité. En inconvénient, j'ai noté que les Amazon Reviews ne fonctionnent qu'en anglais pour l'instant. Alors, je te montrerai ça aussi tout à l'heure. Et l'organisation des articles générés qui pourraient être améliorés. On passe à l'interface d'autoblogging qui est vraiment simple. Si tu as l'habitude de jolies interfaces, là, c'est pas vraiment le cas, mais c'est très fonctionnel. Alors, tu as trois modes. Tu as le Quick Mode, le Godlike Mode et l'Amazon Review. Je vais te montrer les trois. Alors, on va passer sur là le Quick Mode. Donc, tu peux faire le Bulk Generate aussi. Je te montrerai ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va rester sur la génération d'un seul article. Alors, tu rentres juste le titre de ton article, le mot-clé, la langue. Alors, tu peux voir, je crois que tu en as une trentaine à peu près. On va choisir le français. Tu peux choisir d'ajouter une image de mise en avant avec l'IA et une FAQ. Si tu choisis ici le Godlike Mode, ça va te coûter un crédit de plus. Donc, pour rappel, un article en Quick Mode, ça va coûter un article. Donc là, on va générer l'article. Voilà, ça a dû prendre à peu près 2 minutes le temps de générer l'article. Et là, je te montre, donc, faut aller dans l'historique de tous les articles générés. Donc, c'est ça dont je parlais avant, en fait, que l'organisation pouvait être améliorée parce que là, tu peux voir tous mes articles que j'ai générés, mais tu peux pas créer de dossiers, tu peux pas les classer et ils sont tous mis les uns à la suite des autres, en plus avec un titre en anglais, même si le texte va être en français, le texte en anglais. Donc, ici, tu peux le télécharger en texte HTML. Ou sinon, tu peux le voir. Donc, on va aller le voir ensemble. Donc, comme tu peux voir ici, il m'a mis une image IA, bon, qui est pas, ça va dépendre du sujet. Elle peut être très bonne ou des fois complètement hors sujet. Ici. Alors, ici, tu peux voir le texte. Donc, juste pour rappel, un article comme ça coûte à peu près 50 centimes. Donc, tu peux voir que le texte est assez long, qu'il a rajouté des H2, des H3. Donc tu peux voir que c'est quand même un article relativement long avec une FAQ à la fin comme j'avais demandé. Donc ça c'est un article que j'estime la rédaction est vraiment pas mal. Au niveau du SEO c'est vraiment pas mal aussi. Alors juste pour te montrer l'optimisation sémantique de l'article que je viens juste de générer sur les combinaisons au poker. Alors je l'ai passé sur Neuron Writer, qui est un outil d'analyse et d'optimisation sémantique. Alors tu peux voir que j'ai copié directement l'article généré et ça me donne un score de 49 avec le numéro 1 de la SERP qui est à 71. Donc 49 c'est un score raisonnable, mais on peut avoir beaucoup mieux avec le Godlike Mode que je vais te montrer juste après. Donc tu peux voir ici que au niveau du score, qu'au niveau des termes à insérer dans l'article, il en manque quand même pas mal. C'est pour ça que le score est moyen, je dirais. Alors là, je te montre le bulk mode, où tu peux écrire jusqu'à 50 articles en même temps.
Alors ça va être le même principe que pour le Quick Mode ici. Donc là tu peux rentrer donc jusqu'à 50 mots-clés, 50 titres d'articles en une seule fois. Là tu vas rentrer un projet donc pour classer tous les articles créés ici. Là tu choisis la langue comme tout à l'heure, donc tu as encore le choix d'une trentaine de langues. Tu peux ajouter pareil une image de mise en avant, une FAQ, ça c'est gratuit. Et ensuite donc tu as une option de... La différence avec le Quick Mode, c'est que tu ne peux pas poster directement sur WordPress. Avec le Bulk Mode, tu peux. Alors là, il va falloir rentrer ton URL, ton domaine, ton username, ton password, la catégorie, et si tu veux que le post il soit en brouillon ou qu'il soit publié directement, et tu peux rajouter aussi un H1 et un slug. Ici. Alors pour, je vais pas te montrer comment l'intégrer à WordPress. Il suffit de suivre les informations ici. C'est vraiment plutôt simple. Mais bon, le mode est exactement le même que Quick Mode, sauf que bah, tu peux en faire jusqu'à 50 en même temps en une seule fois. Passons au Godlike Mode, qui à mon avis est le meilleur mode dans Autoblogging et celui qui te permet d'avoir des articles les mieux optimisés en SEO. Alors la différence ici, c'est que tu vas pouvoir analyser la SERP et rentrer tes propres mots-clés. Alors je vais te montrer de quoi je parle. Donc là pour l'article, j'ai rentré comment parier sur le turf. Sur les sources contexte ici, tu peux rentrer des informations sur ta société, sur ton audience, sur toi-même, l'avis que tu veux donner sur l'article. Moi je vais laisser vide ici. Sur la SERP ici, donc tu peux choisir sur tous les pays de la SERP. On va choisir en français pour la langue aussi, pareil. Alors là, tu peux rajouter des éléments clés à retenir en haut de l'article, ça c'est gratuit. Des liens externes avec des sources fiables, ça aussi c'est gratuit. Et des vidéos YouTube, ça aussi c'est gratuit. Si tu veux rajouter des images IA, on va essayer ensemble. Je pense pas que ça va faire un très bon résultat, mais on va voir ensemble. Donc là, ça va me coûter 2 crédits. Donc pour rappel, un Godlike Mode, ça va me coûter déjà 2 crédits. Donc là, je vais rajouter des images, ça va me coûter 4 crédits. Ensuite, alors ici, j'ai rajouté 100 mots-clés. Alors comment j'ai fait pour les trouver? Donc j'ai été sur NeuronWriter, comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc tu peux utiliser n'importe quel outil d'optimisation sémantique comme Tot SEO, Utex Guru, comme tu veux. Donc ici j'ai copié tous les termes à intégrer dans l'article. Et ensuite, ici, tu les colles ici. Donc, tu as un petit outil qui t'aide, en fait, parce qu'il faut mettre une virgule entre chaque mot-clé. Donc, quand tu cliques ici, ça t'amène là, tu rentres ta liste de mots-clés, et après, ça te met une virgule entre chaque, comme ça. Donc là, j'ai mis 100 mots-clés. Tu peux rajouter aussi tes propres URL ici, et on va lancer l'article. C'est parti. Donc voilà, la deuxième phase, ça va être, il te montre la SERP ici et il te demande quelles URL tu veux sélectionner pour générer ton article. Donc moi, j'ai déjà analysé la SERP et je sais que je peux tous les prendre. Donc je vais tous les prendre ici. Donc là, on va en avoir 10 ici. Et je vais lui demander de me créer une structure d'article à partir de ces URL-là. Donc là, on va lancer la recherche sur la SERP. Voilà, la recherche est terminée, ça peut prendre entre 1 et 5 minutes à peu près. Donc là, tu peux voir qu'il y a tous les 100 mots-clés que j'avais rentrés manuellement. Il peut aussi les trouver lui-même. Même si tu les rentres pas, ils vont en trouver quand même. Là, c'est les entités qu'il a trouvées sur la SERP ici. Et là, c'est la structure d'article qu'il me propose. Alors, je peux l'éditer, je peux complètement la changer, je peux en ajouter, je peux en soustraire aussi, comme je veux. Je vais la laisser telle quelle et on va générer l'article. Voilà, mon article a été généré en quelques minutes ici. Donc là, je me retrouve encore dans l'historique. Donc pareil, tu peux le télécharger ou le voir. On va aller le voir ici. Alors, comme tu peux voir, les images sont vraiment pas mal. Au niveau de... Je pensais pas qu'il arriverait, mais bon, les images sont plutôt pas mal. Donc voici l'article. Alors ça, c'est ce dont je te parlais, les principaux points clés à retenir, parce qu'on a demandé les key takeaways. Alors encore, les images sont pas mal. Voilà, donc ça, c'est la structure qu'on avait choisie au début. Et maintenant, on va passer tout l'article dans NeuronWriter pour voir comment il s'en sort. Alors, j'ai collé mon article dans NeuronWriter et tu peux voir que j'arrive tout de suite à un score de 57 sur 100 sans avoir rien retouché à l'article. Alors, tu peux voir qu'il a inséré des termes ici, les termes basiques. Il aurait pu en insérer plus. Généralement, en utilisant le Godlike Mode, j'avais des scores plus élevés. Bon, là, 57 et la position 0 sur la SEP a un score de 63. Donc, tu pourras facilement optimiser l'article en ajoutant les termes ici, les termes manquants.
et tu pourras facilement obtenir un score qui dépasse les 63. Donc, pour rappel, le Godlike Mode, un article qui coûte entre 1 $ et 1,50 $. Donc, c'est vraiment pas cher pour un article avec une aussi bonne qualité. Maintenant, je vais monter les Amazon Reviews ici. Donc, c'est vraiment top, mais par contre, ça ne fonctionne qu'en anglais pour l'instant. Alors, c'est vraiment très facile. Ici, tu rentres une URL d'un produit sur Amazon et ton affiliate tag ici. Alors, moi, j'ai déjà généré un article, donc je vais te montrer. C'est un rail de guidage que j'ai trouvé sur Amazon. Donc, comme tu peux voir, c'est en anglais, malheureusement. Donc, là, ça commence avec les avantages et les inconvénients. Alors, ensuite, il y a un quick verdict. Ensuite, il y a qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. DH2 avec la maîtrise absolue, tout ce qui concerne le produit en fait. Ensuite, il y a un verdict, un score. Donc là, il allait donner un score de 93 sur 100. Ensuite, des produits connexes. Donc là, tu peux voir qu'il a bien ajouté une scie circulaire Makita ici. Donc pour proposer d'autres produits. Donc c'est vraiment vraiment pas mal, mais par contre, et c'est vraiment rapide, donc ça coûte 50 centimes à peu près. Mais par contre, pour l'instant, ça ne fonctionne qu'en anglais. Alors pour terminer, je vais te montrer les outils gratuits proposés par Autoblogging. Alors ici, tu peux avoir un générateur de titres, un générateur de métadescription et un générateur de structure. Alors il suffit à chaque fois de rentrer un mot-clé ici. Donc ça, c'est vraiment cool de l'avoir. Tu peux ensuite avoir d'autres outils gratuits en cliquant sur cette URL ici. Alors, je vais te montrer. Donc ça, c'est un partenaire d'autoblogging aussi. Donc tu peux avoir un générateur de structure. Ici, c'est pour rentrer une liste de mots-clés et d'enlever les dupliqués. Et tu peux aussi avoir les entités et les mots-clés. Donc c'est un peu la même chose qu'avec Neuron Writer. Alors voilà, j'avais rentré comme mot-clé, c'était comment parier sur le turf. Et tu peux voir qu'il m'a sorti quelques mots-clés. Donc c'est vraiment pas mal. Si tu n'as pas l'accès à des outils comme Neuron Writer ou Tot SEO, Utex Guru, tu peux te servir de ça pour avoir quelques mots-clés quand même. On arrive à la fin de ma review d'autoblogging. Alors j'espère que toutes les informations que je t'ai montrées dans ma vidéo t'ont servi et ont pu te montrer comment fonctionnait cette super outil-là. Personnellement, avec les tests que j'ai réalisés, je trouve que les articles sont vraiment de bonne qualité. Optimisé SEO, comme tu as pu voir, les images IA peuvent être très bien ou pas bien du tout. Ça va dépendre du sujet. Au niveau des prix, c'est vraiment top. Moi, j'avais pris le prix régulier, le plan régulier pour faire mes tests. Et comme je t'ai dit, avec 60 crédits, tu peux créer entre 30 et 60 articles pour 49 $. Je trouve ça vraiment pas cher vu la qualité. Alors n'oublie pas que je vais te mettre un lien dans la description pour essayer Autoblogging ici. Et si tu apprécies ma vidéo, un petit like, ça serait vraiment top. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures.